Votre Altesse. Oh, oui, oui. Attends-moi. Oh, ça va, princesse? Oh, tu peux m'appeler Dot. Tiens, t'as oublié ça. Merci, Dot, mais tu peux le garder. On en refait un autre. Je les aime, moi, tes inventions. Ah ouais? C'est bien la première, tu sais. Je commence à croire qu'il n'y en a pas une qui fonctionnera. Elle fonctionne, celle-ci. Tu parles une parmi tant d'autres. J'arriverai jamais à quoi que ce soit. Oh, moi non plus. Je suis une fourmi royale et je sais même pas encore voler. Je suis trop petite. Moi, je trouve que c'est pas si mal d'être petite. Oh, si alors. Non, pas du tout. Moi, je trouve. Je te dis que non. Moi, je te dis, que non. Si, je te dis non, que si. Non, si, non, si. Oh. Une graine. Où est-ce qu'il y aurait une graine? Oh. Oh. Tiens, regarde. Fais semblant. Fais comme si c'était une graine. C'est un caillou. Oui, je sais que c'est un caillou. Je sais, mais admettons un instant que c'est une graine. Tu veux? On se sert de notre imagination. Alors, tu vois notre arbre derrière? Eh bien, tout ce qui compose cette plante géante existe déjà à l'intérieur de cette minuscule graine. Il ne lui faut que du temps, un peu de soleil, de pluie, et voilà! Ce caillou deviendra un arbre. La graine deviendra l'arbre. Fais un petit effort, d'accord? Donc, si tu ne te sens pas encore capable de grand-chose, c'est uniquement parce que tu n'es pas encore un arbre. Il faut te donner le temps de le devenir. Tu n'es qu'une graine. Mais c'est un caillou. Je sais que c'est un caillou. Tu crois que je ne sais pas reconnaître un caillou? J'ai une grande connaissance des cailloux, figure-toi. T'es bizarre, mais je t'aime bien au fond.